mal, Kata Fiti. Allez, allez, nous sommes encore là, nous sommes de retour. Vous êtes toujours dans l'émission La Pause sur la télévision nationale. Et nous vous présentons quand même nos excuses pour cette petite interruption. C'est ça. J'insiste dessus. Interruption, justement, qui est totalement indépendante de notre volonté. Ce sont les petits aléas de la technique. Et donc voilà, nous sommes de retour avec les anniversaires. Et ce matin, nous célébrons les... Ce matin, nous célébrons les Achilles. Les Achilles. On Achille. Les... Ouais, les liaisons. Il faut savoir faire les liens. Les Achilles. Achille. Les Achilles. Abla. Pialo. Oui. Comme là. Piabalo. Alors, Achille. Achille s'écrit A-C-H-I-2-L-E. Nous sommes baléo, mille benedica. Nous sommes baléo, mille benedica. Qu'est-ce qu'on se fait rare? Ça va là? Achille. Attends, je n'ai pas compris qui se fait rare en fait. Ah, les hommes. Nous. Les hommes. Le machisme. Nous. Le patriarcat. Nous. Ah là là. Je ne sais même pas de quoi il parle depuis le matin en fait. Nous sommes Mbaléo, nous sommes Mbaléo, Mbaléo. Je vous ai dit, et généralisons et tout le monde est en paix. Réponse pour toi. Est-ce que tu aurais accepté que. Est-ce que tu vas pouvoir en fait, moi aussi, me mettre à terre? Elle n'a qu'à entendre. Bon, alors c'est un encart, c'est un petit encart là, mais je reviens à toi. Si tu penses que tu aurais supporté que madame puisse avoir d'autres hommes dans sa vie, et toi y compris... C'est un autre débat. Les hommes supportent moins l'infidélité. Ah oui, c'est pour... C'est parce qu'on est trop fidèles. Je vous ai toujours dit, maman Suzanne serait même d'accord avec moi, ce qu'on dit là c'est biblique. La Bible dit qu'il arrivera un temps, un homme, et 5-6-7 femmes s'attacheront à un seul homme. Et vous savez que les hommes sont les plus fidèles. Toi, à chaque fois que tu veux dire quelque chose de louche, tu cites toujours la source biblique. J'ai jamais compris. Et puis, c'est dans la Bible. Les hommes sont les plus fidèles au monde. Ouais. Ça, c'est vrai. On est les plus jaloux, on est les plus fidèles. Calme-toi, ma soeur. Voilà. Bon, parlons des... Achille. Voilà. Justement, parlant des Achilles, Achille est d'origine grecque du nom Achilles. Tout doucement là. C'est Achille ou Achille? Achille, c'est une question d'accent prononcé. Achille. Achille est d'origine grecque du nom Achilles, qui signifie qui a de belles lèvres. Voilà. C'est de cet épisode même que nous sort l'expression talon d'Achille. Voilà. Alors, Achille, oui, c'est. Alors, les lèvres se retrouvent au talon, je veux comprendre. Parce que c'est un euro, tu vas comprendre ça dans l'acrostiche. D'accord, ok. Alors, Achille. Au grand héros. Au grand zéro. Les liaisons embellissent les phrases. Au grand héros. Les grandes responsabilités. Joël, ça c'est pour toi. Merci. Cœur dur au service du bien invincible. Haine des autres. Achille sait et sent que vous l'aimez. Infidèle. Non. Oh, nous serons infidèles. Aujourd'hui, demain et pour la vie, elle restera sa cible. Laquelle récolte de son esquif la gloire. L'ami intime, le confident. Le consolateur, tel est son rôle. Exécuteur des gestes fantastiques dans la rigueur captive.
Achille Oumbaléo, mille benareka. Achille Oumbaléo, mille benareka. Achille Oumbaléo. Achille Oumbaléo. Manu. Achille Oumbaléo, mille benareka. Achille Oumbaléo, mille benareka. Achille Oumbaléo, mille benareka. Achille Oumbaléo, mille benareka. Tant pis pour les jaloux. Bien, alors je vais dire un message. Franchement, de toute façon, je ne vous considère pas. Alors, salut la pause, bonne émission. Mon petit frère s'appelle Achille. Il fête son anniversaire aujourd'hui. Ouais, c'est des hommes rares. Voilà. Salut la famille, comment vous allez aujourd'hui? C'est mon anniversaire et c'est Zénab depuis le Mali. Bonne suite d'émission. Zézé, on te souhaite beaucoup, beaucoup de santé et tout le reste, Inch'Allah, va être réalisé au nom du Tout-Puissant. Voilà. Coucou, bonjour Océane et tout le monde au plateau. Tata Océane, j'espère que j'ai toujours mon cadeau de Okam que vous m'avez donné. S'il vous plaît, je peux avoir le numéro de Manu. Il y a confinement. Hein. Alors, répondons cas par cas. Pour le cadeau, vous pouvez Manu toujours Mbabo. L'avoir. Le numéro de Manu, Manu Mbabo. Manu Mbabo. Donc, ça peut créer du gosselot là tout de suite. Hein. Mais bon, c'est pour rigoler. Appelez à la fin de l'émission, vous allez pouvoir parler à Manu. Voilà. Allez, un autre message. Ah, mais elle est jolie, dis donc. Salut la pause, bonne émission. Allez, là, là, là. Non, non, c'est vrai, elle est jolie, elle est très belle. Enfin, j'espère que c'est vraiment sa photo parce qu'aujourd'hui, je profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma soeur chérie Abigail. Bonjour tout le monde au plateau, je suis en retard. Quelle est l'émission d'aujourd'hui? Voilà, vous êtes tous très cool sur le plateau. C'est le 12 mai. C'est le 12 mai. Après le 11 mai, il y a le 12 mai. Donc on est dans le thème. Ah, le thème aujourd'hui, c'est cet homme qui trouve que sa femme lui porte la poisse. Donc on demande vos avis également par rapport au sujet de Maman Suzanne. Oui. Maman Suzanne, vous allez la retrouver à partir d'11h30 dans cette émission. Ce sera 15 minutes de débat. Hein. Mais je vous informe également que nous avons notre Miabetchicha, Madame Elver Dick, qui est au studio et qui va venir tout à l'heure avec je ne sais même pas quoi. Je ne veux pas savoir. On peut vous dispenser, madame, aujourd'hui ou pas? C'est mieux de ne pas la dispenser. La mine là ne rassure pas non plus. Bon, c'est pas grave. Alors, nous avons les Achilles pour aujourd'hui. Les Achilles. Mm-hmm. Leur chiffre bonheur, c'est le 32. Toucheur. Ok. Couleur préférée, le rouge. Non, le toucheur, c'est le 32-32. Ah ouais. Ah. Il n'est pas habitué, on sent ça. Ben voilà. Mais c'est mieux comme ça. Bien. En tout cas, ça fait plaisir. Alors, Achille, couleur préférée, c'est la couleur rouge. Le chiffre porte-bonheur, c'est le 32. Et si vous devez aller jouer à la loterie, ben l'heure 32, est... Non, l'heure est déjà passée, là. Il est midi dépassé. C'est fini. Vous n'avez plus de chance pour aujourd'hui. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Alors, aux Achille, je vais vous offrir quand même la grosse intelligence de notre belle et sulfureuse Martha, qui aujourd'hui, dans Défi Mode, va nous parler des coussins et des ceintures. J'espère que les Achilles portent des ceintures si on a attention aux pantalons qui descendent dénués. Madame, bonjour. Bonjour aussi. Comment ça va? Je vais bien et toi? Ben, toujours bien. Génial. D'accord. Vous êtes sûr que votre sœur elle est avec nous parce qu'elle c'est maintenant qu'elle est en train d'arriver en fait. Elle s'en rend compte qu'il n'y a plus d'hommes. Martha, are you okay? I am fine. Really? Yes. Okay, how much is it? Two, three, four, five. Il faut que tu le dises parce que ça, comme ça, c'est les soulards qui font des trucs comme ça. Tu leur poses la question, tu poses la question, ils te donnent le signe, ils te montrent le truc, mais ils n'arrivent pas à prononcer. Voilà. So, how much? 2, 3, 4. Ah, tu vois, voilà. Alors, Martha, dis-nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de coussins. Coussin et de ceinture. D'accord. Alors, coussin et ceinture. Tu as mis une ceinture. On continue? Mais j'ai mis une ceinture. N'enlève pas, c'est bon, c'était juste pour savoir. Tu as mis une ceinture? Oui. Tu as une ceinture? J'ai calé. Kabla Gomi. Voilà. Kabla Gomi. À très vite. Non, tu as chance que tu n'as pas appelé Michel, sinon Michel l'a fait. Tu voulais dire Kabla Gomi, Michel. C'est le nom de famille de quelqu'un. Bon, allez. Alors. Donc, comme on le sait tous, on est en plein confinement. Bon, il y a quelques endroits quand même qui sont en déconfinement, si on peut le dire. Mm-hmm. Mais rester chez soi, ça inspire de nombreuses personnes à créer, à faire plein de trucs. Un défi qui a l'avantage très, très facile à réaliser. Ici, on n'a pas besoin d'avoir un talent en chant, en dessin, en danse, voilà. Ni le talent en vidéaste. Mm. Donc là, voilà. Donc, pour ce faire, il suffit simplement de se vêtir d'un coussin et
De se vêtir d'un coussin. Oui, de se vêtir. Et donc sortir avec. Et vous allez voir ça tout à l'heure. D'accord, ok. Non, donc avec et vous descendez le coussin comme ça. Non, mais tu vas comprendre tout à l'heure. Genre, à un moment donné, tu t'es oublié, quoi. Oui. Ok, d'accord. On est toujours dans la tranche de Martha, de toute façon. Allez. Donc, je disais tout à l'heure qu'il suffisait juste de se vêtir dans le coussin et de mettre une ceinture là-dessus. Là-dessus. Voilà. Donc, ça a été créé par cette influenceuse appelée Steele Benelli, qui a créé ce look confinement, en mode confinement, avec un coussin en guise de robe et un panier de linge à sec à la main. Comme ça, comme ça. C'est comme ça, ça, c'est parti. Et tout le monde a appris le challenge qui s'appelle Quarantine Pillow Challenge. What? Que tout le monde répète. Quarantine Pillow Challenge. C'est ça. C'est ce que tu as prononcé. Alors, ça aussi, c'est le je n'ai pas compris par ici. Ah, bon, d'accord. Parce que là, je suis un tout petit peu perdue. Là. Attention à ce que tu vas dire. Bon, voilà. Martha. Donc, il faut avouer quand même que le résultat est plutôt flatteur. C'est tout mignon, c'est tout beau. Vous obtiendrez une jolie robe bustier avec une taille très marquée, une silhouette en X, comme je l'avais expliqué entre temps. Voilà. Okay. Qui ferait pallier de jaloux. Donc, si on peut continuer, il y a un GG. Il y a quoi derrière? Voilà. Voilà. Donc, le but, en fait, c'est de couvrir tout, sauf les jambes et le bras. Et il y a pas derrière. Non, et de ne pas tourner. Et de ne pas se tourner. Il n'y a pas derrière. C'est tout, c'est, ouais, il n'y a pas derrière. Est-ce qu'elle a pensé aux retombées? Elle est retombée. Ouais, tu vas retomber. Donc il y a aussi les hommes qui ont participé. Ça, là, je veux faire. Non, ça, c'est le cousin de Manu direct. C'est le cousin de Manu. Donc voilà, voici les challenges qui sortent au moment de confinement. Là, les gens deviennent de plus en plus créatifs. Bon, alors, moi, ce que je trouve de positif dedans, c'est déjà qu'il faut trouver le bon coussin, avoir le bon tête. D'oreiller bon parce motif. Que tout ne passe pas le bon motif à accessoriser comme cela c'est bien avec ce que vous c'est avez tout mignon, ça donne tout avoir un bon fond voilà et puis avoir une belle ceinture aussi hein. Vos doigts c'est pas bon c'est mignon ça mais au final tout le monde est styliste hein, tu sais exactement ouais c'est donc Martha, cette histoire de vrai, confinement hein. A fait sortir en fait a ressorti le talent voilà le talent de stylisme en plein c'est vrai tu as raison mais moi particulièrement ce que je vois là c'est pas aussi mignon pour moi. Ça dépend aussi de... Tu es sûr que tu connais la mode? De quelle... Si tu veux parler de mignoncité dans le monde, moi je parle de beauté. Ici, moi, je parle de beauté. C'est vrai qu'elle est relative. Mais ce que moi, j'ai vu là, j'ai trouvé rien de mignon dedans. C'est vrai qu'à la maison... On peut le faire, se prendre en photo, mais après, c'est quoi non, non, bah, alors, c'est un déconfinement, c'est ça. C'est juste un challenge, on ne sort pas avec. Jojo, finalement, il n'y a plus d'hommes, il faut les laisser, là. Non, alors, Jojo, franchement, je ne cherche pas, je sais pas ce que tu cherches de mignon non plus là-dedans. Ce n'est pas fait pour être mignon, on a juste dit de regarder dans ton cas, tu regardes et tu lis la Bible. Bien, on continue. Ok, merci. Non, c'est tout, c'est juste pour vous montrer ce nouveau challenge-là qui est sorti, qui fait le tour des réseaux sociaux. Voilà. En tout cas, merci pour cette belle petite découverte. On a eu les Achilles associés des oreillers. Ça fait un bon dodo. Alors, on vous fait un bon compil. Allez. Et puis, c'est bien. Merci pour moi. Je vais faire aussi un joyeux anniversaire à mon grand frère bien Achille. Bien sûr. Mm-hmm. Ah, voilà. Depuis Granaway. Mm. Bonne fête à toi. Beaucoup plus de sagesse et longue vie. Il n'était plus. Mais comment que tu parles à ton grand frère avec beaucoup de timidité, dis donc. Ah, mais c'est quand même mon grand frère. Il ne faut pas que des claques se perdent après que je les récupère. Je sens la manière dont tu as parlé. En plus, tu dis à ton grand frère d'être sage. Ah, j'ai dit beaucoup plus de sagesse. À votre place, vous le gardez au portail une semaine. Hein. Ça va le faire. Alors, moi, je profite également pour faire un gros coucou à un grand homme qui nous suit depuis le CHU. Il s'appelle M. Ege Yao et l'homme, il est infirmier d'État au CHU et il est à la réanimation et au service gynéco. Et je vous envoie plein de bisous parce qu'il y a de cela une semaine, ils ont participé également à l'opération d'une jeune dame qui souffrait d'une grossesse extra-utérine et ça a été un succès. C'est extraordinaire. Donc, je vous dis que Dieu vous protège. Et j'acclame également tous les médecins, tous les infirmiers, tout le tralala. En tout cas, franchement, vous faites du bon boulot. Voilà. Alors, nous allons poursuivre à présent. Nous allons enchaîner avec Manu et retrouver également notre Miabe Titia pour un petit je ne sais pas quoi. Mais bon, je me confie à la régie avec l'aide de tous les saints, intermèdes, tralala, et on revient au plateau. We'll be right back.
Elle va donc. Alors, un petit moment de musique avec Manu Lière. Aujourd'hui, c'est mardi et nous avons notre plateau découverte. Nous avons ici au Togo beaucoup de jeunes talents que vous n'imaginez pas et qui ont énormément de talent. Aujourd'hui, vous allez toucher du doigt quand même la sulfureuse, magnifique voix de cette jeune fille qui nous a rejoint. Bonjour, madame. How are you? I'm fine, and you? Oh, I'm fine too. Ça va être difficile pour la suite. Que Dieu nous donne la force. Bon, où est Martha? Aïe, aïe, aïe. J'aurais pas dû la laisser descendre du plateau. Anyway, we are really fine. We are... Attention. Du courage. Ça va aller. Ah, vous faites interférence là, restez tranquille. Ah, bon. We are really happy to have you with us this day, and we hope you enjoy the moment that you pass with us. Hein? Seigneur. Yahweh Tidja, bonjour. Bonjour Océane, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour à l'invité. Elle parle anglais. Okay, it's a real pleasure for us to receive you here. Yeah. Ça va. I know your name. Ça va. Oh, ça va. C'est, ça, vous êtes toujours toi qui aimes mystifier, démystifier, mystifier. Tu aimes trop diminuer les gens. Mon anglais là n'a pas suffi. On a dit bonjour, elle a compris. Okay, my sister, your English is very good. Thank you. It is very, very good. Thank you. Fantabulous. Thank you. You are welcome. You are welcome. Okay, yes, he said that I'm saving you. Actually, who? Not a sauvage. Who? I find you. You. Je not a sauvage, hein? Who is he or you? Yes. Who is he? Yes. Who is he or you? Who is he or you? Okay, you. We write to you like you. like Yuki. Anyway, you oui. Like Yuki. Non mais attends, non, alors, don't pay attention to us. Don't pay attention for what we are doing. It's just to welcome you well. Uh-huh. So we are right now. We are on the way to welcoming you. This is right. Uh-huh. Toi-même qui as invité l'invité, tu as invité l'invité qui parle anglais. Il faut que tu l'introduises. Tant qu'il parle, moi je parle pas. Eh, mais c'est ça. Anglais. Cyril, darling. Yeah, man. C'est le niveau. Bon, d'accord. C'est le niveau. Donc maintenant, Manto, il a parlé. Pour moi, Kelly parle anglais et Eve. Oui, Zonlo. Yo. Toi, on a fait tout ça pour rien. Il a quitté Donoua, Bobo, va m'y mettre d'où. On a fait tout ça pour rien. Donc, Egbea, je reçois Kemi. Kemi qui est d'origine. De deux origines, 50% togolaise et puis de l'autre côté du Nigeria. Okay. Et voilà, nous la recevons aujourd'hui en mode découverte. Donc, avant de trop parler, on va écouter la voix de chair de poule. Mm-hmm. Mais si ça ne marche pas, ne m'accusez pas, mais je sais que ça va marcher quand même. Voilà. Mm-hmm. Oui. Thank you.
Kimi, I just want to cut you a minute, okay? I see that you're... Thank you. Comment? Thank you. Mais quand tu vois, quand j'ai l'élan comme ça, tu rentres dedans, je me perds là. Là, tu viens tout gâter. Hein? C'est pas, il fallait pas Désolé. Faire ça. Anyway. So I just want to cut you because we can hear that your voice not so. Okay, so I will allow you to. Yes, okay, you can remove. Non, arrête de faire comme si non. Ah, si je ne connais pas le. Mais remove. That's the right word I wanted to use. Remove. And so you can remove it right now. Voilà. So now we will restart, hein? And Manu will play and you will chant. Okay. Open the floodgates in abundance and cause your rain to fall. Because you help us to, comment dire, rattraper, tu... Translate. Non, c'est pas comme si je ne connais pas, mais dans la situation actuelle, tu sais, la conjoncture fait que tu perds beaucoup de choses. Rattraper. Actually, I lost the word. So you don't know rattraper non plus. YouTube. Ah, my guess. So you just help us to remember all those times when we were in church. What? Catch up. Yes. Catch up, c'est pas le chat. Ok, d'accord. Il faut rappeler quand même que là, c'est son premier baptême télé. Mm. Oh! Donc, je comprends mieux. Vous êtes en train de soutenir l'invité. No, seriously, you can make yourself comfortable right now. We are in family right now. Hein? Yeah, so, just make yourself comfortable. Hein? Donc, if you want some tomatoes, I can give you. You have tomatoes. But actually, it's not for me. I want. So, it's for sale, but I can give you one. And Kimi. You can test it and give us the, voilà, the test. Mbako a beaucoup de cas. Mbako a beaucoup. Comme on est deux anglais coup et Vic Béa, donc on l'a dit à l'économie en VE en Minan. Et Vic Béa. Fifi a honte, on l'a dit à mon ami. Ok. Parce que on dit à nous, Fifi a honte, on l'a dit à mon ami. Vous n'aurez pas rien, n'a dit à nous, on va pas voir. Ok. Elle me touche. Reste tranquille. Reste tranquille. For all the things you have done for me, my wound. Thank you.
avec elle. La première fois, on l'a essayé, ça a bien marché, d'accord. Je ne sais pas si cette fois, ça va encore marcher. Mais est-ce que Manu a déjà une petite idée de la suite? Parce que là, présentement, je sens que... Non, mais non, je ne peux pas venir. Non, je n'ai pas encore dit ce que je veux dire. Mais... D'accord. Comment on dit ça en hébreu? En anglais, c'est difficile, mais en hébreu, c'est encore plus compliqué. Il n'y a pas de clip encore. You don't have any video for that, yeah? No. You don't have any video. So you don't have the audio, no? No. Studio bien radio. Audio. You don't have. Okay. Non, donc Manu réagit, non? En fait, limite, elle n'a jamais chanté avec un musicien. Ah ouais? Ben c'est un très bon début. Félicitations. D'accord, mais je me dis qu'avec un peu plus de travail au studio, on aura quelque chose de fantabuleux. C'est super. Very déjà fantabuleux. Le talent y est à haute dose, donc. Voilà. Mm-hmm. Mais tu t'attends à ce que je dise quand même. Non, mais dis Philippe. Moi, je suis plutôt content. Oui. En plus, Manu puisse la prendre en découverte. Mm-hmm. Et puis, ça va la stimuler aussi à travailler avec d'autres musiciens. Mm-hmm. Quand je dis musicien, pas forcément guitariste. D'autres musiciens, d'autres. Mais là, par contre, ce que tu dis, tu sais, elle ne comprend pas français. Donc oui, mais donc il faut lui traduire en anglais. Enfin, essayons voir, tu avais dit quoi déjà? Que ça va la stimuler. So he said that he's really happy for your presence here. Right now here, and he knows that it will to help you. Doucement, non. Une phrase là, depuis là, tu n'as pas. It will help you to perform yourself. Ce qui est toujours intéressant, c'est de savoir que mais nous qu'est-ce qu'on peut audio, qu'est-ce qu'on peut vidéo, qu'est-ce qu'on peut bon, qu'est-ce qu'on on t'a fait quoi dire allô money allô on t'a fait quoi dire it's because of money. Okay. Ah, because of money we can on va chanter l'argent money dollar. You know what? Yeah. Every morning when you wake up, just sing this song, and you will say, money will fall on you. Uh-huh. You wake up the money, sing l'argent, money, and you see the money will fall like this. You see? Make sure that your God knows l'argent before. Yes. Don't go it. And sing l'argent alors que your God wants you to sing God Holy Spirit. So you have to make a big. Eh ben, faut aider la personne à dire au public, voilà, s'il y a vraiment quelqu'un qui est touché par cette voix unique. Parce que deux personnes peuvent chanter, peuvent avoir la même voix, mais une personne sera touchée spécialement par la voix. Oui, mais pourquoi tu ne le dis pas, puisque tu viens de le dire? Non. Elle parle anglais et puis Eve. Comme tu es notre teacher maintenant en anglais ce matin. Opportunity. En français très simple. Ah, ils ont compris, on est dans un pays francophone là. C'est bon. Et le Mina aussi, non? Donc, Kémy lance un appel en fait à tous les Togolais, tous ceux qui ont apprécié. Ok. Parce qu'elle a chanté. Sa voix, mielleuse. Ouais. Son talent là, elle veut pouvoir, comme elle le dit en fait, improve. Donc, elle veut pouvoir faire avancer son talent, elle veut pouvoir faire grandir son talent. Donc, elle demande à tous ceux qui ont aimé ce qu'elle a chanté tout à l'heure de mettre la main à la poche et de l'aider. Mais moi, ce que je n'ai pas compris, c'est que tu penses qu'on ne comprend pas Mina, c'est ça. Oh, c'est 30 secondes pour montrer voilà, le rond du talent de Kémy. En fait, 30 secondes. Mm. Moi, je veux que tu rappes un tout petit peu. Mm. 30 secondes. Parce que on aime pas, maman Suzanne est dans le studio. Et yo. Okay.
The love of my mother, I cannot get it from many human. Selfish and insecure, my part. Yeah, she gives me heart to heart. Sitting on a pot of gold as I love the cellar fold. In the most perfect of those, sitting on an internet old. My mother, my word, unsubscribe yet to subscribe. My word, my mother. When I laugh, she's my friend. When I laugh, she's my friend. Petites choses qui se cachent dans, il y a de grandes choses qui se cachent dans les toutes petites choses. Hein, bah oui, hein. Elle était dans le studio, elle était tout doucement là, comme ça elle nous regarde. Et puis dès qu'on dit Kémy chante, surtout les 30 secondes là, ça a dépassé tout le début. Je dis, franchement, en tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir, que ce soit Manu, toi ou alors encore Kémy. We wish you all the success that you want, okay? And I know that you come back into this show with your own video, your own audio. And may God bless you, bless you, bless you. Merci pour everything. Sans mauvais timati d'arrêt. Remets ça à sa place, Manu. Un menteur, voilà. Ne prends pas. Elle a pris. Il a volé. Elle a pris. Bon, voilà, c'est bon. Allez, nous allons poursuivre notre émission à présent, intermède. Et nous allons retrouver maman Suzanne, également notre chère Lina, également. Non, les deux. Intermède. C'est quel mec? Sinon, je continue avec toi. Alors, nous sommes de retour au plateau. Il aurait été bien que tu introduises, étant donné qu'on est tombé sur toi directement, mais bon, c'est pas grave. Bien, en silence. Ok, d'accord. Bonjour, maman Suzanne. Bonjour, c'est... Comment tu vas, maman Suzanne, chérie Coco? Je vais bien. Super. Alors, et le port de masque, ça va? Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, maman Suzanne. D'accord, c'est bien. Alors, maman Suzanne, je ne sais pas si vous aviez pris connaissance du sujet qui nous a été envoyé, une grosse inquiétude. Il y a une de nos jeunes mamans qui dit que depuis qu'elle est avec son mari, monsieur dit que ses business n'ont jamais abouti. Et donc, en conclusion, c'est elle qui porte la poisse, c'est-à-dire qu'elle est porte-malheur. Parce qu'aucune de ses activités ne réussit, mon mari m'accuse de lui porter malheur. Que dois-je faire? Alors, je dis également bonjour à Lina, l'INUS International National qui nous a rejoint. Madame Rasta, bonjour. Vous nous avez manqué hier. Vous nous avez manqué hier, 11 mai. Bonjour Océane, bonjour tout le monde. Comment ça va? Je vais bien. Bonjour l'INUS. D'accord. Yaman, big up. On ne se touche pas. Bien. Alors, maman Suzanne, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? Je pense que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Il y a des femmes qui portent malheur. Il y a des femmes qui portent malheur à leur mari et vice-versa. Merci beaucoup. Il y a des maris qui portent malheur à leur femme. Et vice-versa. Oui. C'est des choses qui arrivent souvent. Nous vivons dans un monde plus,
plus spirituelle que physique. Donc il y a des choses qui viennent de la femme, qui peuvent bloquer l'homme, des choses qui peuvent venir de l'homme et qui peuvent bloquer l'avancement de la femme. Maman, comment est-ce qu'on peut justifier que quelque chose bloque l'avancement de l'autre personne? Quand on se met à deux, on souhaite forcément que l'autre évolue parce que son évolution va rejaillir sur nous. C'est pour ça qu'on s'est mis ensemble. Alors, oui. Une personne qui aime l'autre ne peut jamais lui souhaiter du mal, non? Normalement. Moi, Vous savez, l'être humain a tendance à se faire justice soi-même. Quelquefois, quand on est avec un homme qui vous brime, on passe notre temps à penser que ce qu'il fait là, un jour Dieu va le lui rendre. Ce qu'il fait là, il verra. Ce comportement ne donne pas la prospérité. Et nous savons, nos pensées ont une puissance. Nos pensées ont une puissance. Nos paroles également ont une puissance. Et la parole, c'est la pensée habillée de mots. Donc, même quand vous ne dites rien et que vous pensez fortement ça, cela arrive. Donc, une personne peut penser, par exemple, pas forcément sans le vouloir, parce que des fois, ça peut être du non voulu du tout, mais parce qu'on est blessé, on peut souhaiter le malheur de l'autre, que quelque chose de mauvais lui arrive, et ça peut réellement et arriver. La plupart du temps, on le dit sans vraiment... rendre compte que ce que nous pensons ou ce que nous disons a une puissance sur l'autre. Voilà. Alors, nous avons eu également quelques avis des téléspectateurs. Ils ont été assez larges, ils ont été assez véridiques. Chacun l'a dit comme il le sent. Je vais lire cet avis ici. Tous les autres commentaires disent vrai, mais je peux ajouter que nous sommes en Afrique et connaissons tous l'existence de l'occultisme. Si tu penses que ce qu'il dit est fondé, commence par prier avec lui et ensemble détruisez les mêmes maléfiques qui gênent. Nous savons tous que nous sommes en Afrique. Voilà. Alors, quelqu'un d'autre qui dit, c'est irresponsable et à mon avis cela n'a rien de spirituel uniquement. Comme il n'arrive pas à aller au bout de ce qu'il entreprend, c'est forcément sa femme le problème, n'importe quoi. Qu'en est-il de sa gestion de l'affaire? Honore-t-il ses clients et fournisseurs? Respecte-t-il les règles? Paye-t-il correctement ses employés? Finissons avec ça d'abord avant d'accuser la femme. Il faut avoir de l'argent pour payer l'employé. Merci, Laura. Et si votre blocage fait que vous n'avez pas d'argent? Il y a des gens qui ont, il y a des hommes qui ont vraiment la bonne volonté d'y arriver. Ils font tout pour réussir, mais ils ne réussissent pas. Donc, il faut essayer de voir ailleurs. Il faut essayer de voir ce qui se passe vraiment. Spirituellement, c'est vrai. Spirituellement, c'est vrai qu'il y a des esprits qui nous combattent dans notre couple. Lorsque, par exemple, vous-même, ou bien lorsque la dame à un mari de nuit, automatiquement le mari de nuit combat l'homme. Ah, ça, c'est encore un autre débat assez profond et spirituel. Et c'est aussi vrai. C'est aussi vrai pour l'homme. S'il a une femme de nuit, la femme de nuit combat sa femme physique. Donc, il faut le savoir et il faut faire quelque chose. Voilà. Donc, quand ça ne marche pas pour l'homme, il faut aller à la recherche de la révélation pour savoir, pour connaître la source de ce problème. Et aller traiter le problème à la source. À la source, voilà. Aller traiter le problème à la source. Vous continuez par envoyer vos avis. Nous en avons également énormément. Aujourd'hui, nous n'allons pas du tout vous fatiguer, maman Suzanne. Ceux qui criaient ne sont pas allés. Vous allez laisser également notre maman en paix. Le jeudi, le débat revient et maman Suzanne aura largement le temps de rentrer en profondeur. Donc, continuez par nous envoyer vos avis. Maman Suzanne, on continue de se laver les mains, de porter le masque, même si ça a l'air difficile. Ça nous étouffe. Voilà. Exactement. Et respecter la distanciation. Je vous envoie plein de bisous, maman Suzanne. Bisous. Voilà. Alors, nous marquons. Jeudi. Oui, lave-toi les mains en attendant. Voilà. Alors, nous allons encore avec l'intermède. Et juste après, nous retrouvons notre Linus International et son invité, le panier de la ménagère et madame Lilou. C'est parti. Hey.
Merveti Tia aussi est là aujourd'hui avec nous. Le cahier est bien rempli. C'est pas pour rien. Je passe à côté de toi sans te voir. Hein, parce que j'ai vu que tu as noté beaucoup trop de choses là-bas. Anyway, il y a quoi dans ton quartier? Dans ton cahier. Oui, c'est son quartier, je vous dis qu'elle me fait interférence. Vous pensez que c'est de la blague. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour pour étudier. Dans le cahier, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. Aujourd'hui, on va juste parler des acronymes. De quoi? Bien. Alors, bonne arrivée, Madame Lilou. Merci. Comment allez-vous depuis la dernière fois? Très bien. Je sens que vous avez pris un peu de poids, hein, dis donc. Chez vous, au marché, les choses coûtent moins cher, apparemment. Oui. Ah ouais, c'est pour ça que vous avez pris un peu de poids. Oui. Et non, vous avez pris un... Moi, j'ai rien dit, hein. Non, mais quand je dis que vous avez pris un peu de poids, je ne dis pas que vous avez pris du poids. Vous, hein, vous êtes venu avec un petit poids. Donc, vous avez pris un peu de poids, c'est vous qui l'avez apporté. Non, ce n'était pas vous. Ah non, non, ce n'était pas vous. Sinon, je sens que vous avez maigri un tout petit peu. Faudra voir du côté de votre mari, c'est peut-être ça aussi qui ne vous porte pas beaucoup de chance. Okay. Non, c'est peut-être parce que le poids qu'elle porte là, c'est un peu trop. Un peu trop lourd aussi. Hein. Bien, madame. Monsieur. Laissons les acronymes. Parlons du marché. D'accord. Alors, la semaine passée, on était, c'était le vendredi dernier. Mm-hmm. On a parlé de Lilou's Coin Frais, qui vous donne donc la possibilité d'avoir des produits frais et de vous faire livrer. Voilà. Alors, cette idée est venue du fait qu'il y a certaines personnes qui ont la flemme d'aller au marché. Et aussi, la flemme, c'est-à-dire d'aller au marché, la paresse de se déplacer pour aller faire. On connaît la flemme du démaquillage, mais bon, pour le reste, avoir le goût de faire quelque chose. Voilà. Bon, bref. Soit. Mm-hmm. Alors, donc, ces personnes peuvent faire appel à ce service. Également, nous sommes dans une période sensible de crise sanitaire. Et le mieux, c'est de ne pas trop se déplacer, ne pas trop aller de gauche à droite. Donc, c'est un service qui peut bien passer avec le contexte actuel. Alors, la dernière fois, on a parlé un peu en surface. Aujourd'hui, on aimerait bien revenir sur comment est-ce que, en vrai, Lilou traite les produits, comment c'est conditionné. En profondeur. C'est ça, merci. D'accord. Alors, ici, moi, j'ai un panier qui, déjà, à la base, est lui-même très bien conditionné. J'ai des condiments. Regarde comment... Mais tes yeux brillent tout à coup. Ouais. Non, pas que mes yeux, c'est parce que j'ai porté un masque. Ça salive aussi. Alors, j'ai de la tomate qui est bien... Elles sont belles, les tomates. Voilà, qui sont bien conservées, bien emballées et tout, conditionnées. Et on a des... La carotte, ce qui m'intéresse. La carotte également, qui est bien conditionnée. Pourquoi est-ce qu'il y a ces plastiques autour des condiments? Voilà. D'accord, merci. En fait, quand nous recevons les produits, c'est les fermiers et certaines bonnes dames qui nous livrent. Dès que nous avons notre livraison, nous les lavons avec de la permanganate. De potassium. Oui. C'est toujours difficile pour moi de prononcer ce mot. Potassium. C'est pas grave, t'inquiète. Potassium. Non, elle est dans les acronymes aujourd'hui, il ne faut pas... Voilà. Donc, nous les lavons et nous laissons sécher juste un peu. Et pour peser, c'est comme ça que nous présentons le panier au client. Pour peser, nous les mettons dans les petits sachets. Voilà donc la balance. Donc on va faire un petit essai. C'est juste pour vous montrer justement comment vous pouvez faire votre marché depuis la maison sans avoir à vous déplacer et surtout avoir la quantité que vous avez demandé. Alors nous allons peser les tomates. Ici, c'est supposé avoir combien de kilos? Normalement 500 grammes, mais je pense que c'est 500. Un peu plus que ça. Alors, on va peser. Niavetitia, tu vois quoi? 500 grammes. Voilà, 500 grammes. Pour la personne qui commande 500 grammes de tomates, on a 500 grammes. En fait, le panier, c'est 2 ananas, 1 kg d'oranges, 500 grammes de tomates, 250 grammes de poivrons. Ouais. Donc, tout est mesuré et nous mettons ça dans les sachets, nous pesons ça et dans le panier. Et nous informons nos clients que dès que vous recevez le panier, vous n'avez plus besoin forcément de laver, vous pouvez juste les ranger. Les ranger ou les mettre au réfrigérateur. D'accord. Alors, est-ce que quelqu'un peut par exemple ajouter à ceci du poisson, de la viande, des crevettes, du gambas? Oui, évidemment, vous pouvez ajouter du poulet, de la pintade, du poisson. Le poisson, vous précisez le poisson que vous voulez. Si c'est possible, nous vous livrons parce que c'est les vendredis que nous livrons les volailles et les poissons. Mm-hmm. Le vendredi matin, nous avons notre livraison de porc de pêche. Oui. Donc, si le poisson que vous demandez n'est pas pêché le jour-là,
Nous, ah, vous ne pourrez pas l'avoir. Voilà. Okay. Et sinon, vous avez... c'est comme ça. Et les poissons et les volailles sont livrées l'après-midi de vendredi. Mm-hmm. Donc, arrivé à la maison ou à l'entrepôt, nous les lavons et les mettez toujours en sac de congélation. Les conditionner. Cette fois-ci, c'est en sachet de congélation. Mm-hmm. Et nous les mettons au frais juste pour quelques heures. Parce que le temps de préparer tout, et là, livraison commence à partir de 15 heures. À partir de 15 heures, d'accord. Alors, j'ai une question. Il faut commander combien de jours avant d'être... Exactement, oui. Combien de jours est-ce qu'il faut compter pour être livré le lundi, par exemple, il faut commander au plus tard samedi soir. D'accord. Ça fait deux jours, pratiquement. Deux à trois jours. Samedi soir, donc 2 à 3 jours, la commande, vous la passez 2 à 3 jours avant et vous êtes livré le jour où vous avez besoin de vos produits. Voilà, d'accord. Alors, combien minimum pour avoir un panier? Un panier comme ça, disons. Comme ça, juste comme ça. C'est 6500 le panier. Waouh, bon, je vous dis ce qu'il y a dedans. Nous avons des tomates. La livraison est assurée par une société de livraison, donc la livraison n'est pas comprise, mais le panier est compris. Ah, le panier également est... Ah, c'est mignon, voilà. Alors, les congés, on va voir. Alors, ici, nous avons de l'aubergine, nous avons de la tomate, d'accord, nous avons des carottes et également du poivron. Nous avons ici de l'oignon. Pourquoi on a fait ça comme ça? Oui. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas certains produits. Ça, c'est juste pour montrer aux gens. D'accord. Il y a certaines personnes qui sont allergiques au poivron, par exemple, mm-hmm. qui ne veulent pas le poivron. Et certaines personnes qui veulent un peu d'oignon et un peu de poivron. Mm-hmm. Donc, nous pouvons mettre les deux que vous voulez dans un sachet. Un peu. D'accord. Alors, en plus, nous avons les oranges dont vous avez parlé tout à l'heure. Nous avons également... Ici, c'est des courgettes, voilà. Et nous avons les concombres, voilà. Normalement, nous devrions avoir aussi des avocats. Et de l'ananas, Donc, vous avez de quoi vous faire une petite sauce si vous ajoutez du poulet ou du poisson et vous avez même votre dessert dans le panier. Et c'est à 6 000 francs. Alors, pour passer la... 6 500. Des 500, allez dire, c'est la conjoncture. Alors, pour passer la commande, sur quel numéro est-ce qu'on peut vous joindre? Vous passez la commande, il faut passer la commande par WhatsApp ou par SMS sur le 98 36 608 67. Le 98 36 68 67. Le 98 36 68 67. Et lorsque vous envoyez un message par WhatsApp, on vous explique le processus et on vous donne également les choses que vous pouvez commander. C'est au choix. Vous décidez comme vous voulez. C'est vrai, il y a le basique, mais après, pour les conjoints, c'est vous-même qui décidez de ce que vous voulez pour compléter. Alors, 98 36 68 67. Voilà. Alors, madame, conclusion? Conclusion, je pense que c'est une très bonne initiative. Mm-hmm. Déjà pour les personnes qui ne sont pas au pays, donc qui veulent bien faire plaisir à leurs proches ici. Ah oui, quand même. Mais ils ont la possibilité de commander, d'appeler Lilous, d'envoyer un message et de faire livrer leurs proches. Ni vu ni connu. Je voulais juste préciser que la plupart de notre clientèle est de la diaspora. Voilà. Ah bon? Voilà. Ah oui. Ah, ok. Bah, pourquoi moi, je n'ai pas des gens à la diaspora? Moi, si je suis concernée. Je ne sais pas. Bon, anyway, on n'a pas de gens dans la diaspora. Mais bon. Hi, my name is Ngabo from Rwanda. I'm happy for you all. Thank you very much. On vous envoie également plein de bisous. Ils sont nombreux. Acronyme, madame. Non, on va remettre ça la semaine prochaine. C'est pas pour rien qu'on t'a traîné jusqu'à la fin de l'émission. C'est des niveaux, hein. Bien. Et de toute façon, vous les aurez donc. Acronyme vendredi. Vendredi, on danse, hein. Bien, ça fait plaisir, voilà. En tout cas, merci beaucoup à la réalisation pour cette belle émission aujourd'hui. Les gars, vous êtes venus. Bon travail pour aujourd'hui. On apprécie énormément.
Merci également à Joël. On devait avoir une petite vidéo aujourd'hui, monsieur. On met sur demain. Moi, je suis sacrifié. Je suis plus content parce que, au moins, avec Ticha, on n'a pas travaillé aujourd'hui. Bah oui, ça risquait de tomber sur toi. On dit merci également à madame Lilou qui nous a rejoint pour le panier de la ménagère. Et on vous attend pour le prochain panier. Venez ici. Tant que vous laissez le panier, vous partez. Il n'y a pas de souci. Merci, madame Linus Lina International. De rien, de rien. Mon menu. Non, toi, tu n'es pas mon menu. Bon, voilà. Mon mentor ambulant. Mon menu, il a répondu. Justement, merci. Allez, on va se dire à demain. Merci pour vos nombreux messages, que ce soit du Ghana, du Rwanda, en tout cas de la Côte d'Ivoire, de l'Europe. Oh là 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 là. Aujourd'hui, je suis moi-même larguée, dis donc. Bien, on se dit à demain. Hein. Jusque-là, lavez-vous les mains, portez les masques et surtout respectez la distanciation. Pas de bisous, bisous, pas de rien du tout. S'il vous plaît, ça va passer et la vie sera magnifique. Voilà, alors, pourquoi tu me regardes? Voilà, donc on se dit à demain. Bisous et nous rendons l'antenne. Bye bye. Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant ?